Hey, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous explique. En gros, aujourd'hui, c'est journée Vinted. J'ai plein de trucs à faire avec Vinted. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo. Voilà, ça pourrait être cool et un peu original. Donc, ça va être sous forme de vlog un peu. Faut que j'envoie un colis, faut que je fasse du tri dans mes vêtements et ensuite que je mette en vente les trucs sur Vinted. Bref, du coup, bah, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo. C'est parti. En même temps, je me suis pris un petit McDo, on a mangé en même temps. Du coup, je me suis pris un petit Happy Meal avec de la sauce moutarde. Vraiment, si vous connaissez pas ça, goûtez la sauce moutarde, c'est vraiment trop bon la sauce moutarde. Nous sommes le 19 mai. Et qui dit le 19 mai dit la réouverture du monde. En commentaire, vous me direz si vous, vous êtes allé en terrasse et si oui, vous êtes allé où et tout. De toute manière, je sais pas du tout quand je vais poster cette vidéo. Si vous me suivez sur les réseaux, comme vous pouvez savoir, je n'ai toujours pas d'ordi. Mon ordi, il est en panne, du coup, bah... je peux pas faire de montage vidéo. Bah il faut que je le fasse mon colis puisque j'étais censé le faire pour 14h et l'envoyer à Mondial Relais à 14h et il est 16h et j'ai toujours pas fait. Je vais vous donner des petits conseils pour les colis. Du coup déjà un truc qui est bien à faire c'est de faire un petit mot. Genre pour remercier nos chers acheteurs, on écrit un petit mot en mode merci de votre commande et vous mettez ça dans le colis. Et au pire des fois vous pouvez mettre vos réseaux sociaux, au moins ça vous fait des abonnés en plus. Et oui, vous pensez à ça. Et ça fait beaucoup plus pro. En plus, si vous faites ça dans un colis moche, vaut mieux mettre un petit mot, ça fait plus pro. Et si vous mettez votre petit mot dans un colis beau, bah moi ça fait pro, mais encore plus pro. Il est 17h30 et du coup, je vais commencer à faire du tri dans mes vêtements. Déjà, pour commencer, je vais vous montrer à quoi ressemble mon dressing. Voici mon dressing. Mais c'est un peu le bazar, comme vous pouvez remarquer. Ici, il y a des oreillers. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais ranger un peu mon dressing. Tout ce que je mettrai en vente, je les mettrai sur mon lit pour le moment. Quand il y a des vêtements que vous hésitez, ce que vous faites, c'est que vous les mettez dans ce que vous devez vendre, mais vous allez les essayer d'abord. Genre vous les essayez, au moins si vous voyez qu'au final bah vous aimez bien, vous le gardez. Moi c'est ce que je fais. Genre il y a des vêtements, par exemple ce jean, ça fait longtemps que je l'ai pas mis, mais genre quand je le regarde, je fais bah il est bien, je pourrais le remettre. Mais je sais pas, du coup je vais le réessayer et tout, et s'il me plaît toujours, je le garde, s'il me plaît pas, bah je le mets en vente. Là j'ai un gros dilemme devant moi, bah, ça je veux la vendre, mais en même temps ça me fait de la peine parce que genre j'ai grave de souvenirs avec cette paire, je l'aimais trop quand j'étais en 3ème. Cette paire je pense que je vais la vendre, parce que je la mets jamais. Ensuite bah, j'ai mes spiridons, mais celles-ci sont grave abîmées donc je pense pas que je peux les vendre. J'ai celles-ci, elles sont trop belles, elles sont pas très abîmées donc je pourrais les vendre, mais en même temps, bah, pareil ça m'embête de les vendre. Celles-ci je les veux pas. Bah tu me les donnes celle-ci. Ah oui mais j'aurais voulu les vendre. Ah non je les garde. Bien. Ah non non, moi j'en ai tu vends. Ah, non surtout pas, Phila tu m'as dit qu'il fallait surtout pas. Celles-ci je les vends ou pas? Tu nous as saoulé pour celle-ci. Désormais, on passe à l'étape, les photos pour Vinted. Ça, c'est la pire étape. C'est l'étape qui prend le plus de temps et qui est trop pénible à faire. Et en plus, j'en ai plein parce que quand j'en ai encore 2-3, j'ai la flemme, voilà. Mais là, j'en ai plein et faut que je me force à pas avoir la flemme. C'est horrible. J'ai terminé de prendre en photo tous les vêtements. Ça m'a pris environ 30 minutes, du coup c'est mon frère qui m'a pris en photo. Et du coup j'ai pris toutes mes photos de mes chaussures et de mes vêtements bah, avec ma caméra. Juste après ce petit moment de la vidéo, je vais vous montrer tout ce que je mets en vente sur Vinted et que vous pouvez bah, acheter. Presque une semaine après. En fait, je suis allée chez mon copain entre temps, du coup, bah, j'ai pas eu le temps de filmer la suite de la vidéo. On arrive au moment très important et le meilleur moment.
le moment où on met les annonces en ligne. C'est parti, j'ai exporté toutes mes photos prises avec mon appareil photo dans mon téléphone. Et là du coup, je vais faire un peu le tri de mes photos, voir s'il y en a que j'ai besoin un peu de retoucher. Quand je dis retoucher, c'est de la lumière, hein. Je vais pas retoucher, flouter des endroits abîmes ou quoi, ça je laisse. Mais parfois en fait les photos elles sont pas très belles, donc avec de la luminosité, bah elles sont plus belles. Hey, du coup là on se retrouve le lendemain, donc hier soir j'ai mis pratiquement toutes mes annonces en ligne. N'hésitez pas à aller voir mon Vinted, car quand la vidéo sortira, bah je pense qu'il y aura encore plein d'articles en vente qui ne seront pas encore vendus. Du coup je vous affiche mon Vinted juste sur l'écran. Et puis voilà, n'hésitez pas à y faire un tour. J'ai vendu 2 trucs déjà. Donc ça, faut que je les fasse partir aujourd'hui.